Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose une séance de renforcement et d'étirement pour prévenir les maux de dos. Avant, je présente rapidement, je suis Fabien, fondateur de Roule sur la forme, des programmes d'entraînement en vidéo pour bouger mieux au quotidien. Je vous propose donc ici une séance courte de renforcement et d'étirement pour prévenir les maux de dos. Pour cette séance, vous avez besoin uniquement de votre tapis. Mettez-vous en tenue de sport, une simple bouteille d'eau et on y va. C'est parti. On commence à quatre pattes. On vient placer les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. On va garder le haut du corps droit. Vous allez juste basculer le bassin de façon à rentrer le ventre. On rentre le ventre, rétroversion du bassin. Donc on arrondit le bas du dos. Vous allez pousser un tout petit peu les fesses vers l'arrière, vous mettre sur le bout des doigts et repousser le sol avec le bout des doigts. On va relâcher la tête, arrondir le dos. Donc on recule un tout petit peu les fesses vers l'arrière, on rentre le ventre, on pousse sur le bout des doigts et on relâche bien la tête. Sur l'inspiration, on creuse au niveau du bassin. Hop, on reprend appui sur les mains et on ramène le poids du corps vers l'avant. La même chose, on rentre le ventre, on souffle, donc rétroversion du bassin. On pousse un peu les fesses vers l'arrière, en même temps on vient se mettre sur le bout des doigts, on vient étirer tout le dos, toute la colonne vertébrale, on relâche la tête, et inspire, on creuse au niveau du dos, on se replace au niveau des mains, et on revient. Une dernière fois, expirez, basculez le bassin, donc rentrez vraiment le ventre, on arrondit le bas du dos, on pousse les fesses vers l'arrière, on se met sur le bout des doigts, on souffle, appuyez bien sur le bout des doigts, essayez de pousser le dos vraiment vers le plafond encore, et inspire, on creuse, et on revient hop, sur les mains. Donc bien à quatre pattes, on a notre creux lombaire, c'est-à-dire votre courbure naturelle au niveau du dos que vous allez devoir garder. On serre la ceinture à trois crans et on engage le plancher pelvien. On inspire, prochaine expiration, vous allongez le bras droit vers l'avant, la jambe gauche vers l'arrière. Sans qu'il y ait de modification au niveau du dos. Et inspire, on revient. Même chose de l'autre côté. Expire, on allonge. Et inspire, on revient. On allonge le tout. Ne cherchez pas forcément à monter le pied le plus haut possible. Vous démarrez avec des petites amplitudes. On souffle, donc c'est bras et jambes opposés. Et au fur et à mesure, vous augmentez l'amplitude. Tant qu'il n'y a pas de modification au niveau de la colonne vertébrale, vous pouvez monter le pied, vous pouvez monter la main. On expire, on allonge. Inspire, on revient. On souffle. Allongez bien le bras, allongez la jambe. La nuque, toujours dans le prolongement de la colonne vertébrale. Donc faites attention à ne pas trop lever le menton ou à ne pas trop relâcher la tête. Dernière fois, droite et gauche. On allonge. Inspire, on revient. Expire. Inspire, on revient. Parfait. Amenez les pieds sur les côtés. Venez vous mettre assis. On allonge les jambes, les pieds à peu près écartés, largeur du tapis, tirez les orteils vers vous. Vous allez allonger votre colonne. Alors, je vous invite à démarrer avec les jambes fléchies, hop, tirez les orteils vers vous. Sortez la poitrine, étendez doucement les jambes. Si à un moment donné, vous voyez que vous commencez à arrondir le dos, eh bien dans ce cas-là, vous arrêtez de tendre les jambes. Vous restez dans cette pose avec les jambes et les genoux un tout petit peu fléchis. Gardez la poitrine haute, si ça va, bien, tendez les jambes. On allonge les bras loin devant, on inspire. Tirez bien les orteils vers vous. Sur l'expire, on va allonger le bout des doigts le plus loin possible vers l'avant. Sur l'inspiration, vous allez soulever la poitrine, monter les bras vers le haut. On garde l'inclinaison du buste à partir des hanches. Sur l'expire, vous ramenez les bras vers l'avant, vous rentrez le ventre. Imaginez que vous prenez un coup de poing dans le ventre et vous redressez tout doucement. Tac, et on retrouve la posture, poitrine haute. Les orteils tirés vers vous, on inspire. Expire, on incline à partir des hanches, on allonge le bout des doigts le plus loin possible. On garde l'inclinaison à partir des hanches, on monte les bras au plafond, on sort la poitrine. Gardez les orteils tirés vers vous. On relâche les bras, on rentre le ventre, on appuie le bas du dos contre un mur imaginaire et on se redresse vertèbre par vertèbre. Tac, encore deux fois. Inspire, les orteils tirés vers vous, expire, on allonge. Inspire, on soulève la poitrine. Expire, on revient, on appuie le bas du dos contre un mur imaginaire et tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic, on remonte vertèbre par vertèbre. Une dernière fois, expire, on allonge. Inspire, on soulève la poitrine, montez les bras. Expire, on ramène les bras devant et on remonte vertèbre par vertèbre. Parfait. On garde la poitrine haute, amenez les bras sur les côtés, je vais décaler un petit peu.
poitrine haute, les bras sur les côtés. Imaginez que vous essayez de maintenir un crayon entre vos deux omoplates. Donc on garde bien les bras ouverts, les orteils toujours tirés vers vous. Vous pouvez resserrer un tout petit peu les pieds écartés largeur des hanches. Poitrine haute, on expire, on twiste à droite. Inspire, on revient. Expire, on twiste à gauche. Et inspire, on revient. Le corps et la tête, les bras bougent en même temps. On souffle, on twiste. Inspire, on revient. On souffle, on twiste. Inspire, on revient. Continuez. Essayez de vérifier si votre crayon derrière entre les omoplates est toujours là. Donc si à un moment donné vous vous retrouvez un peu avec les bras vers l'avant, c'est certainement que vous avez perdu ce crayon que vous avez placé entre les deux omoplates. Donc gardez bien la poitrine haute, poitrine fière, on twiste, expire, inspire, on revient. Encore. Vérifiez que vous avez toujours les orteils tirés vers vous. Donc poussez les talons loin vers l'avant. Dernière fois, droite et gauche, on souffle, on tourne, on inspire, on revient, on souffle, on tourne, on inspire, on revient et on relâche. Parfait, chien. On vient se mettre couché au sol. Donc à quatre pattes, on descend tout doucement la poitrine au sol. Allongez les bras loin devant. Allongez vos jambes, vous allez rentrer le ventre. Hop, tac. En rentrant le ventre, on va créer un petit espace entre le nombril et le tapis. Vous allez mettre une petite bulle d'air. L'objectif, c'est de ne pas écraser cette bulle d'air que l'on va placer sous le ventre. Hop, donc on rentre le ventre, on place notre bulle d'air, on inspire. Prochaine expiration, vous allez décoller bras droit, jambe gauche. Inspire, on repose. Bras gauche, jambe droite. Inspire, on repose. Donc on allonge un bras et jambe opposée. Expire. Inspire, on pose. Expire, on monte bras et jambes opposées. Inspire, on pose. Et vérifiez que la bulle d'air est toujours là. Donc on décolle un bras et une jambe, donc bras et jambes opposées. Et vous vérifiez que le centre du corps est bien engagé, que la petite bulle d'air que vous avez placée entre le nombril et le tapis est toujours là. J'ai un petit niveau 2 à vous proposer. Expire, on monte un bras, une jambe. Inspire, on monte l'autre bras, l'autre jambe. Expire et inspire. Hop, passez au niveau 2 seulement si vous arrivez à garder la petite bulle d'air entre le nombril et le tapis. On garde toujours le bout du nez en contact avec le tapis. Il n'y a pas de mouvement au niveau de la tête. Si vous sentez que ça devient dur de garder l'engagement du centre du corps, vous revenez simplement au niveau 1. Une respiration complète, un mouvement. Je vous propose encore 4 respirations. Parfait. Placez les mains à côté de la poitrine. On rentre le ventre, on se repousse doucement. On amène, on revient à quatre pattes. Vous allez allonger la main droite sur le côté gauche. Hop, et poser la main gauche sur la main droite. L'objectif ici, ça va être d'incliner un petit peu le corps sur le côté dans cet étirement. On va reculer les fesses sur les talons. On souffle. Sentez l'allongement au niveau du dos. On se redresse, on change de côté, on amène la main gauche hop, à l'extérieur du tapis, côté droit. On pose la main droite dessus et on souffle, on recule les fesses sur les talons. Soufflez bien. Parfait. On se redresse, hop, venez vous mettre assis, les mains sur les genoux, on inspire, on monte les épaules vers le haut. Et on souffle, on relâche. Parfait, très bien. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette séance. Je vous invite à vous pouvez faire cette séance eh bien, le matin ou le soir après le travail. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de cette séance. Vous avez une zone de commentaires ci-dessous. Je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez apprécié cette séance, eh bien, donnez-moi un petit pouce en l'air. Je vous invite également à aller faire un petit tour sur le site internet roulesurlaforme.fr où vous y retrouvez eh bien, différents programmes d'entraînement pour eh bien, entretenir ou améliorer votre mobilité. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.